La musique est plutôt cool, ouais. Anderson, mais où t'étais? La radio s'est interrompue d'un seul coup et après, toute la flotte a disparu. Oh, saloperie de forêt. Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Si toute l'eau a disparu, je trouverai peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. À plus tard. Trouvons des indices. Alex, notamment un... Comment ? Une arme. Je suis encore... On est dans l'entre-noir. Je vais jeter un coup d'œil. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, je trouverai peut-être des indices. L'eau a disparu très soudainement. Je me demande s'il y a un rapport avec l'amalgame. Et Nightingale. Où es-tu ? Alors, chapitre suivant, n'est-ce pas ? Prenez vos affaires. J'ai mis le costume de l'édition Deluxe. J'ai juste besoin d'un petit... Ça se trouve qu'il ressemble à John Wick comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça se trouve, c'est fait exprès, hein. Je sais pas. Prenez votre temps. Et sachez que ces bois sont du genre dangereux. Encore un jeu que je vais prendre à cause de Fufu, il me tente bien, j'aime bien l'ambiance. Ah. Par contre, il est que sur l'Epic Game Store. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans de l'Epic Game Store. Je pense qu'il sortira à un moment donné sur Steam. Et bon, voilà quoi. Alors, bon. Où est cette arme là qu'on m'a demandé de chercher là? Je chauffe, je brûle. En tout cas, on va faire attention, on va essayer de... Je vais... Le moindre centimètre carré. Le moins... Tiens, qu'est-ce que c'est? Bizarre en brindille. J'ai fait la OFP, j'ai fait après que tu les trailles, j'en suis au 5ème NG+. Ah ouais, t'as trop kiffé le jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est mieux que je retourne sur la plage ou quoi? On va retourner sur la plage. Et là, quelque chose me dit que c'est la, entre guillemets, suite. Coffre fermé. C'est bien le symbole de la secte de l'arbre. Des notes et des munitions. Ce sont leurs outils de travail. La secte ne voit pas ses victimes comme des gens. Ils nous ressemblent, mais c'est un piège. Ce sont des animaux et c'est notre boulot de les traquer et de les tuer. Ok, on peut pas aller plus loin que ça. Mais... Il était sur la piste de l'écrivain depuis toujours. L'écrivain qu'il détestait. Hemingway, Bukowski, Wake. Je t'aurai. Je te trouverai. Je te ferai payer. Tu ne t'en sortiras pas. Il descendit dans les tunnels. Depuis la ville sombre, jusque dans l'océan de ténèbres. Prochain arrêt, station Caldera Street. Quelque chose, une présence, gronda. Ce n'était pas un train. Des ombres glissèrent sur la plateforme. La secte de l'écrivain l'attendait là-bas, la secte du mot. Un adepte se pencha vers lui. Je porte ces mots tout contre mon cœur. Interdiction d'aller dans le lac sans son autorisation. Il avait été pris. Assassiné. Il l'avait eu. Mais pas vraiment. La haine l'avait fait renaître.
Il était là comme ressuscité. Envoyé pour trouver l'interrupteur surgissant du lac qui n'en était pas un. Ok. Bon. J'arrivais pas à sortir, hein. Alors... Dans les moindres coins si je trouve pas cette fameuse arme. J'ai les munitions de fusil de chasse, mais je n'ai pas le fusil de chasse. Très frustrant. Vous en conviendrez. Je vais me faire attaquer par ce truc là. Oh, je suis foutu. Même les animaux se transforment en monstres. Oh là là. La secte laisse du matériel. Avez-vous vu un fusil de chasse ? Qu'est-ce qu'il peut contenir ? Je dois fouiller les environs pour trouver comment l'ouvrir. Attendez, je vais me régène là. Bon, je vais pas récupérer ma santé. Je vais pas regarder, peut-être qu'on est une espèce de barre grise.
clé du cache du bord de l'eau. La secte vous observe en ce moment même. C'est trop bien d'avoir des munitions. Une arme qu'on n'a pas. J'y ai presque cru. Une perche jaune. À la foutre. Par contre, le loup là, quel enfer. Hein. Je pense que je n'aurai jamais le fusil. Hein. S'il fallait que je trouve pendant le boss fight ou avant. Je suis BZ. Il y a un truc écrit ici. Un poème? Ou une devinette? Ça me fait penser aux comptines que je lisais à Logan quand elle était petite. Un oiseau pour la lumière. Et deux pour le noir. Trois oiseaux pour la guerre et quatre pour la bagarre. Cinq pour une blessure et six... pour une meurtrissure et sept pour la fin, quel que soit le chagrin. Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. Quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Une breloque. Oh, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. Oh, c'était... étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines. Ah, j'oublie les poupées. Elles peuvent me resservir. Ouais. De quoi, Koyo? Là, je sais pas où je vais. Il faut que je revienne sur mes pas ou pas, là. Je sais pas, je sais pas si je suis en train de revenir vers la forêt de base ou si je suis en train de la continuer, là. C'est là-bas, Koyo. Je suis sûr.
Où suis-je? Ah, je fais un long rond là, non? Réserve. Point d'intérêt. Est-ce que je fais demi-tour? Et je try. Et je try un truc. Attendez, on va faire demi-tour. Ok. Et on va essayer de fouiller partout. Partout. Et puis si on trouve pas, bah écoutez, tant pis. Hein. On fera le jeu sans. Hein. Ah, c'est pas la zone du boss, mais le problème c'est que la zone du boss, bah j'y suis plus quoi. Non, c'est du foutage de gueule. Non, ça c'est un foutage de gueule de fou, ça. Il respawn. En vrai, j'ai envie qu'il me tue, j'ai la flemme, là. Quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Il faudrait que je refasse le tour, mais putain, faut que je réaffronte cette connerie de loup. Quel enfer, le loup! Pourquoi il respawn? Pourquoi faut qu'il respawn, quoi? Là, je vais à gauche. Ensuite, je suis juste la route. Je crois qu'elle est bouchée, la route, non, on dirait? Ah non, je suis plus la route, là. Ok, plus par là. Ok, la route est par là. Suivons la route. Là, le loup, il a pas respawn. Je comprends pas. On va aller là déjà, on va essayer d'aller à l'épicerie, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs là. Alors attendez. Je pense qu'il va pas y avoir des connards. C'est là l'épicerie? Ouais.
J'ai entendu un bruit. La lumière est éteinte. Ok, je viens d'user deux piles pour rien. Oh putain là. Voir Madame Irma au comptoir. Oh merde. Madame Irma. Attends quoi, 705, 713. J'ai oublié de mettre le code à jour. Attends, c'est quoi? C'est 723 le code? Non, c'est plus 723. En tout cas, c'est après 723. C'est un de ces codes, tu penses? Je vais tous les essayer au pire, hein, ça me coûte rien. Bon, déjà, ça a l'air d'être 723. 705. Ah putain, fallait. Ouais, fallait. En fait, faut faire rond. Mais pourquoi? Moi, tu sais que j'appuie sur X comme un connard, hein. Je peux pas quitter. Je suis bugué. Oh mon dieu. Je suis bugged. Entre mental. Oh non. Sauvegarde il y a 10 minutes. Oh non. Incroyable jeu. Semble différent. Je devrais fouiller. Bon. On va refaire. Ah, attendez. Ok. Ok. Ok, vous pouvez mettre que deux par deux. On commence à mettre des raccourcis là. Ok, bon. On a une arme. Revenons à nos moutons. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça, c'est trop chiant pour aller à la carte là, de maintenir la touche.
Allez, on va sauvegarder. Toujours bon de sauvegarder. Ok, on a retrouvé là où on en était. Est-ce qu'il faut que je récupère la petite poupée là? Je pense qu'il faut que je la laisse. Hein. Je récupère ça. Une breloque. Oh, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. C'était étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines. Ok, ça les a fait spawn. On va tester le fusil. C'est où la breloque ? Allez, venez! Je vais chercher derrière. C'est bon. Oh mais archi violent. Bon, je pense que je vais le garder vraiment pour les ennemis, hein, vous avez compris, hein. Les ennemis lourdingues. Que je peux tirer dessus pour... Ok, mal fait, mal fait. J'ai gaspillé une balle. Attendez, je dois aller où? Retourner à Bright Falls. Ah oui, je dois retourner en ville en fait. Qu'est-ce que je fous ici alors? J'explore. Par là, il y a quoi? Ok, il y a une station. Parce que l'eau s'est enlevée, donc je peux aller ici. Là, ah, je fais que du facultatif, là, depuis tout à l'heure. Ok. Voilà encore une de ces comptines. La courageuse héroïne... Parti réparer tort, avide et affamé des bois, le loup sortit, alors il dévora tout ce qu'il trouva dans la maison délaissée, l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle chérissait. Il aurait fallu que je ramasse la petite figurine. Oh non, me dites pas qu'il fallait que je ramasse la petite figurine. Salut, monsieur le cerf. Tu me rappelles un rêve que j'ai fait. Oh bon, on le voit pas, monsieur le cerf. Oh. Salut Skilouté, comment vas-tu? Alors... Il y a un PC avec un mot de passe et tout, mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'écran qui génère le moins de lumière que j'ai vu de ma vie. Dans un environnement comme ça, je vous le dis,
prends un pompe. Ah non, la poupée est là. Poupée loup, poupée héros. Les films est quoi là? Bizarre. Cinq, quatre, sept. Il était me rappeler que ma formation est méconnaissante d'un jeune Campbell. Étrange. Nouvelle enquête qui ne sert à rien. C'est bizarre. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Ah, il y a des comptines partout, bordel. Non. Non. Continue. Ok. Le FBC okay. Se mêle effectivement de choses qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Et on sait que ça finit toujours bien. Ok, c'est le FBC. La secte de l'arbre. La 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 la. Ouais. Ok. Ok. Ces cages peuvent contenir des indices sur la scène. Ça fait beaucoup de trucs à mettre, hein. Je vais devoir en trouver d'autres. Ok, on est sur le dossier. Non, il y a des trucs à poser. Ok. De retour à Witch's Leden. On écoute ça. Saga pointa sa lampe torche sur l'étrange substance noire. La substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous. Elle peinait à voir. Le contraire de taches solaires dans ses yeux. Plus sombre que sombre. Soudain, un changement. La lumière réagit à la substance. Une boucle de rétroaction lui parcourant le bras. Saga serra la lampe torche. Espérant qu'elle traverserait la matière sombre, qu'elle la brûlerait. Ah bah. Et donc, j'attends à trouver beaucoup de boîtes de chocolat, hein. Et je peux faire la comptine alors.
Alors, c'est quoi? J'ai le héros, alors, hein, le courageux d'Orin, parti réparer un tort. Avide et affamé, des bois, le loup sortit alors. J'ai comme l'impression que quelque chose a changé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est flippant ça, non? Oh putain. Encore une breloque pour mon bracelet. Les gars, ça fait peur de fou, hein. Vous sauve de la mort, mais se brise quand c'est le cas. Ah, je vais partir de là, les gars. Je retourne en ville. C'est bon. Allez, Cassos. On est arrivé en Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous rejoins sur le parking. Ah, j'oublie les poupées. Elles peuvent me resservir. J'ai réfléchi à cette histoire de secte de l'arbre. Quel genre de secte choisit de se faire appeler secte? D'après ce que je sais, aucune. On voit pas encore les choses dans leur ensemble. Attends, mais ça veut dire qu'il faut que je retourne vraiment en arrière pour aller récupérer l'autre poupée. Oh damn, boy. Salut White Pierce, comment vas-tu? Faut que je retourne là-bas. Parce qu'en vrai, là, j'aurais pu faire un tout droit comme ça. Non, nique, hein. Allez, on retourne là-bas. En espérant que ça n'ait pas re-respawn. Je suis pas serein, je vous le dis. Oh putain, elle est juste là en fait, la poupée. Ok, on va continuer par là. Je me dis qu'on peut faire le tour. Bah, moi ça va, Pepper Lamster. Hein. J'ai juste pas serein là. Je me suis un peu dessus, c'est pas. Arrête, c'est trop important une poupée. Bah, c'est pour régler une énigme, oui. Attendez. Et un cadenas, bordel de merde. Ah, je peux traverser là. Oh putain, allez, ma curiosité me tuera. Quel symbole ça? Bizarre. Plus 3. Encore un coffre fermé. 3 plus 3. Attendez. Sept moins deux. Cinq.
Attendez, 5. Cinq, huit, six. Rock, rock, tree. Putain, 5, c'était le rock. Donc ça fait 8, 6, 5. Non, j'ai raté un truc. 6, 7, 8, on est d'accord. 6. Il y a un autre arbre qui... Il y a un autre arbre qui piège. Mais ça respawn, c'est terrible. Cinq ? Bah c'est quoi le bordel ? Non, j'ai raté quelque chose, les potes. 17 moins 2, on est d'accord. Randonnée. Attendez, j'ai buté. On est d'accord. 6 plus 2, ça fait 8, on est d'accord. Et 3 plus 3. Pierre, pierre, arbre. Pierre, pierre, arbre. Ah putain, ok, non, c'est bon. Pierre, pierre, arbre. Donc ça fait 5, 5, 6. Ou 5, 5, 8. Putain de sa mère, c'est WX9. 6, 7, 8. Ah non, ça 6. Mais non, putain, ça fait... Bah non, mais oui, c'est bon, 6. 6, 8, ok, attends, attendez. 6. 5. Voilà. C'est bon, galette. Foutu pierre, foutu arbre, foutu tout. Putain, mais en même temps, je stresse de me faire tabasse par le... Par les connards là-bas, là, en plus ça respawn, c'est trop chiant, mais d'où ça respawn en fait? C'est déjà pas assez chiant psychologiquement déjà d'en tuer un? En plus ils font respawn quoi. Dis-moi qu'il y a un raccourci quelque part là, que je vais au parking là. En allant par là, par pitié. Il y a un cadenas, je suppose. Non, il n'y a pas de cadenas, nice. J'en avais besoin. J'ai des mines de pistoles. Très bien. Je prends. I got it. Comment on remonte au parking? Ok, parking.
Ok. Fuyons, compagnons. C'est quoi ces merdes? Une boîte repas de plus. Oh bah, parfait. N'oubliez pas sa journée qui est ratée, mais si vous passez une bonne journée, ignorez ce message. Oh non, je suis perdu. Bon, tant mieux, dans ma perdition, j'ai été récompensé. Ok, bon. En fait, j'aurais dû passer par là, parce que là c'est barré. J'allais à louer. Ah, j'ai presque envie d'y aller. Mais j'ai la flemme un peu. Putain, allons-y. Par là. Et après, du chalet, hop. Je peux retourner au parking. Une pierre de coups. Pitié, pas de loup. Ok. Ok, je suis derrière le... En tout cas, la lumière revient là. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas d'ombre. Il y a quoi là? Il y a un chemin. Suspect. Pourquoi ils se fraîchaient à faire un chemin, les développeurs? Les chutes du mortier. Ok. Pour une prise de vue. Et encore une. Et non. Oh, la texture. Ouais. Il fait pas encore nuit, hein, techniquement. Là, c'est le crépuscule. Qu'est-ce que c'est? Faut faire demi-tour. J'ai du boulot. Ah! Le jeu me dit, tu vas trop... il me dit, tu vas trop vite, là. Bah, ok. Voilà, ça c'est chiant, par exemple, vous voyez. Genre, pourquoi ne pas avoir barré tout le chemin? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Voilà, allez, hop là. Alors attends, épicerie, une fois que je suis à l'épicerie, je fais tac, ok. Parce que c'est semi-ouvert. Ouais, mais il y a un mur invisible là qui m'empêche d'aller visiter le chalet là. Sauf une fois au chalet. Mémé, elle en a marre, elle commence à faire... Elle soupire. J'ai cru entendre un truc. Ouais, ok. T'es des harceleurs dans le jeu ou quoi? Mais quel harceleur! C'est quoi un EAM?
Casey, ils font quoi exactement au FBC? Après New York, quand j'ai commencé à chercher notre ami ici présent, j'ai entendu parler d'eux. Je leur ai demandé les dossiers qu'ils avaient sur lui. Silence radio. Ils ont la réputation d'apparaître pour les trucs louches. Ils ont des gens ici. Et voilà qu'on trouve l'écrivain. Comme par hasard. Bizarre! Bon, ok, non, le jeu, c'est des harceleurs. À partir du moment où il y a un mec qui prend l'aggro. Voilà. Mais putain, mais ils apparaissent alors que c'est. Il fait pas nuit là! Il y avait encore du soleil! Il y a encore du soleil. Ah là, j'ai flippé. Bon, on a tous flippé, je pense. On peut y aller? Oui, on se casse. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan ? J'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman ! T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé ? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... et toi ? Tu vas bien ? T'as l'air stressée. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan ? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake ? Vous êtes parti depuis longtemps. Non ! Non ! Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez ? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. Ah. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages ? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wade ? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... ça n'a aucun sens. Je me souviens.